Des fois, je vous promets, en termes de conneries, j'en ai vraiment marre de moi en fait. Vous voyez la date actuelle où est-ce que l'on est. Cette vidéo a été tournée il y a une semaine et. Parce que je prépare mes vidéos à l'avance. Et j'avais totalement oublié le fait qu'il y avait un truc qui s'appelait en fait le ramadan. Donc voilà, je suis un connard. Je tiens sincèrement à m'excuser, de sortir cette vidéo pendant le ramadan. Je souhaite bien évidemment un bon ramadan à tous mes abonnés musulmans et ou n'importe quel abonné qui fait ramadan en fait. Bon courage à tous et bah, je vous laisse quand même avec la suite de la vidéo. Bon visionnage! Waouh, cette vidéo va être autant nourriture. J'ai pas trouvé d'intro, c'était nul. Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lancer des games Fortnite. Je vais lancer une game Fortnite de mon pote et ça va définir ce que je vais manger en suivant. C'est-à-dire que tout simplement à chaque fois que je vais effectuer un kill sur Fortnite Battle Royale, je vais devoir manger ceci. Alors, je vais l'ouvrir parce que là tout de suite c'est un sac McDo normal en fait. Merci de vérifier l'intégrité de cette étiquette avant livraison. Ok mon frère, j'ai rien compris. Ils ont mis 50 000 scotch, c'est quoi ce bail? Et là nous l'ouvrons et attention! Des serviettes, plutôt cool. La fameuse boîte à nuggets! Avec bien évidemment bah, les sauces, hein, on les connaît. Bah non, là vous savez pas ce que j'ai pris. J'ai pris sauce creamy, sauce chinoise et sauce curry classique. Voilà, j'ai jamais goûté. Donc attention, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh! C'est beau! Des nuggets! Oh, ils sont bouillants, sa mère, donc faut vite que je joue. Ok les mecs, on va pas plus attendre. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Objectif 10 000 pouces bleus et objectif 250 000 abonnés. Je veux qu'il y ait 250 000 abonnés. Après cette vidéo, on fait d'abord la partie et après on mangera les nuggets. Let's go. Ok les amis, on se retrouve. Nous sommes dans le bus de combat de Fortnite et nous allons tout simplement aller à Slurpee Swamp. C'est parti mon gars, on y va. Let's go. Je ne veux pas attendre aussi longtemps. Vite faire des kills pour ensuite. Je sais pas pourquoi les mecs, mais Slurpee en ce moment c'est vraiment mon spawn. J'y vais à chaque partie parce que je sais pas, il y a du monde, il y a du stuff, il y a du shield. Tu sors, t'es bien quoi, je sais pas. Bon là il y a une personne, ok. Ah oui non, j'ai oublié de vous dire, je crois que c'est pas. Oui j'ai oublié de vous dire, je crois en fait. Je crois que dans l'intro j'ai dit un nugget, un kill. C'est un kill, 3 nuggets. Donc. Allez, bon déjà ça fait 3 nuggets mon gars. Let's go! Je suis refait putain. Je vais bouffer sa merde. Ok alors on va loot un petit peu tout ce qu'il y a dans notre petit Slurpee Swamp afin d'être tranquille. Mais je crois que je suis solo à Slurpee. Du coup on va vite décaler pour aller faire des kills parce que bah moi j'allais faire un maximum de kills t'as vu et voilà. Ok là j'ai quelques munitions mais en fait c'est dingue parce que j'ai beaucoup de munitions mais pas beaucoup d'armes. Alors les gars je vous jure il y a une genre d'odeur qui commence à embaumer la pièce. Ça sent le poulet, ça sent le nuggets frère, j'en peux plus. J'ai qu'une envie c'est de taper dedans là vraiment. Ok les mecs nous sommes actuellement dans la nature et nous sommes à la recherche de personnes afin de pouvoir faire des kills. Seul petit problème, je ne possède pas de fusil à pompe. Je suis donc dans ce qu'on appelle la sauce. Sauf si dans ce magnifique coffre il y a un pompe. Absolument pas. Frère, normalement je spawn à comment? À Slurpee, il y a la blinde de monde là, il y a personne. Quand je vais faire des. Oh! Oh non, c'est. Oui, fusil à pompe, si, let's go. Bon, écoutez, c'est pas le meilleur fusil à pompe au monde, mais bon, on le prend. On le prend clairement. Par contre, on est plus que 45, les mecs. Enfin, je sais pas, laissez-moi faire des kills, non? J'ai besoin de manger, moi, en fait, genre. Ok, ah, c'est un mec qui tire contre des loups, en fait. Il est mort? Il est mort, le loup. Oh, il y a un loup qui me fonce dessus. Oh, il y a un loup qui me fonce dessus. Oh my god, oh my god, oh my god. M'en fous, je compte comment kill si jamais je le tue, d'accord. Et boum, le kill du loup, ça fait 2 kills, ça fait 6 nuggets. Oui, bon, écoutez, j'ai très faim, donc j'ai forcément envie de tuer un maximum de loups pour manger un maximum. Oh non, il y a encore un loup. Il y a encore un loup. Ok, je m'en fous, je compte comme des kills. M'en fous. Allez, tu viens là, hop, hop, hop. Ah non, t'es pas mort, voilà. Mais du coup, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles, j'ai plus de munitions, j'ai plus rien en fait. Oh, y'a un mec là, y'a un mec en camion les mecs. Y'a un mec en camion. Y'a un mec en camion, let's go. Ok, il est juste là, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Hop là, allez, ça dégage. Hop là, laisse-moi prendre ton stuff. Oh, en plus il m'a mis trop bien niveau mune là, trop bien. Ok, là mec, j'ai eu tellement de balles gros. Mais frère, mais ça touche pas cette arme, c'est ouf. Comment ça, ça touche pas? C'est un truc d'ouf cette arme, comment elle touche pas? Voilà, mais meurs quoi, je sais pas, c'était un bot ou quoi en face. Allez, ça dégage. Oh, putain, il est là le bâtard, il m'a fait trop peur. Il m'a fait trop peur, wesh. Hey, hey, la tête de WAM, les gens ils sont trop chauds. La tête de WAM, c'est pas possible frère. Les gens, mais... Non, 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 tu me laisses manger. Tu me laisses manger mon gars, tu me laisses manger frérot. Tu vas me laisser manger frérot. Tu passes plus de temps sur Fortnite qu'avec ta daronne, espèce de fils de...
Nous nous retrouvons après cette petite pause interlocatrice. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. On est tout simplement avec notre petite boîte de 20 nuggets qui a légèrement refroidi, mais bon, ça devrait le faire pour la vidéo, yes. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, récapitulatif, j'ai fait 3 kills de vrais joueurs et j'ai fait 3 kills de loup. Donc faites le calcul. Ça fait 18 nuggets. Dans cette boîte, il y en a 20. Donc ce que je vous propose, c'est que tout simplement, on va les manger un par un. Et bah c'est parti. Pour commencer, au cas où, nous allons commencer par déguster la sauce curry que je n'ai jamais goûtée de ma vie. C'est parti, on va l'ouvrir en fait, comme ceci. Ouais, lourd. Par contre, ça sent le curry. Regardez ça là, la première trempée. Oh, food porn. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, let's go. C'est incroyable, vraiment. D'abord, je vais vous montrer les trucs où je goûte toutes les sauces. Et après, il y aura un accéléré de ouf, ok. Ensuite, la sauce chinoise aussi que je n'ai jamais goûtée. Hop, on l'ouvre directement comme ceci. Et on met à la poubelle en suivant. Allez, hop, pareil, on trempe un petit peu dedans. J'ai pas senti l'odeur. Oh, ça sent pas très bon de ouf, hein. Bah, écoutez, on va goûter, let's go. Elle a pas de goût. Attends, j'en mets beaucoup plus. Là, je la trempe bien dedans. Et hop, on la prend et on va la goûter. Hein. Ouais, bon, ça va. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre sauce à nuggets McDo préférée. Moi, perso, c'est celle qui va suivre. Et la sainte sauce creamy dolly. Pour moi, c'est clairement la meilleure sauce de McDo. Genre, vraiment, c'est incroyable. Genre, vraiment, les nuggets n'ont pas le même goût, en fait. Les nuggets sont 10 fois meilleurs avec cette sauce. Hop, on y va. Ça, c'est la petite troisième. On y va. Ah là 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 là. 1, 2, 3, let's go. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est trop bon. Cette sauce, elle est trop bonne, vraiment. McDo, vous attendez quoi pour commercialiser cette sauce? Vous la commercialisez, vous la foutez en grande bouteille dans les magasins, vous allez vous faire des burnasses en or. Et puis, bah, on est parti pour manger le quatrième nugget. C'est à partir de maintenant, je vais faire un petit accéléré pendant que je mange. Quatrième nugget. J'avais oublié de faire la miniature, du coup, j'ai mis la petite casquette et puis on va faire la miniature maintenant, quoi, y a pas trop le choix. Oh, c'est trop. La petite sauce curry, let's go. Magique, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est magique. La petite sauce chinoise, hop là, et c'est la septième. Allez, la huitième, on y va, c'est chipa. Là, j'arrive dans une phase qui est un petit peu triste, les amis, c'est que tout simplement, j'ai fini la sauce creamy deluxe, je suis dégoûté. D'ailleurs, vous dites un ou une nugget? Débat très intéressant, je veux savoir dans les commentaires. Ok les mecs, je vous propose qu'on entame la dernière nugget tous ensemble. C'est celle au curry. La sauce chinoise, je suis pas trop fan, elle est un petit peu écœurante en fait. Du coup, la sauce curry, elle pique un peu, mais elle est quand même meilleure. Je vous propose qu'on se fasse un petit chin de nuggets. Bon, je doute qu'il y en ait qui mangent des nuggets en même temps que moi, sinon c'est vraiment une coïncidence de ouf quand même. Mais au cas où, 3, 2, 1, chin de nuggets. Ouais, je l'ai one shot. Je l'ai one shot, j'en ai rien à foutre. Voilà. Hop. C'était une boîte de 20, il en reste 2. Donc bon, j'en ai mangé 18. Yes. Hop, un petit coup de water. Waouh! Eh bien écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Les deux dernières nuggets qui restent là, ne vous inquiétez pas, je vais pas les gaspiller, je vais les donner à mes parents ou à ma soeur ou à n'importe qui, on verra. Bref, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi je vous embrasse très fort et je vous dis déjà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Brice et les 18 nuggets. À très vite pour une prochaine vidéo, c'était Blitzo. Ciao les potes!